Il était même nécessaire pour ta gagner une commission d'experts indépendants, composée d'avocats et même sur le plan international. Parce que, je ne dis pas, nous avons dit fonds au Caraïbes ou en Haïti toujours. Nous qui détourné fonds. Qui est envoyé là à l'étranger. Maintenant, traçabilité. Pour entrer dans la traçabilité, il faut avoir des experts qui permettent de faire traçabilité fonds, côté l'aller, qui côté lié, qui est-ce qui voye à l'étranger, et puis avec l'entraide internationale pour nous permettre que fonds retournent. Moi-même, je dis que si vous pensez que, si l'État ici pense que le pourrait faire procès Petro-Caribé, juste pour arrêter les gens, mettre les gens en prison, pito yo pa fèl. Parallèlement, il a arrêté moun nan procès parce que yo te fouillé men yo nan kòb l'état, mais faut l'agence a retourné pour venir faire des projets sociaux dans pays. Soit arrêté moun parce que pour le plaisir que arrêté moun, ouais, me faire procès, m'arrêter moun. Ou va fanyé. C'est kòb la pour tourner, pour kòb la vienne faire l'hôpital, pour kòb la vienne faire mais ou Thomas a beaucoup même fait même. Donc si kòb ti kòb ça a vini, nous capable mander l'état mettre inscrit dans budget un petit parti dans kòb la pour Thomas a capable faire. Donc faut qu'on la retourne en d'un pays. Gen de bien moun yo gen ici. Bien qui là, faut yo saisir. Faut yo saisir pour yo rendre yo liquide. Parce que c'est avec l'argent liquide l'État pour le cas travail. Oui. Saisir yo, revendre yo, pour permettre que l'argent rentre dans la caisse de l'État. Et c'est avec l'argent ça, l'État pour le faire plus l'école, l'État pour le faire plus route, infrastructure routière, l'État pour le faire plus l'hôpital, l'État pour le payer professeur puis bien parce que regardez moi en tant que professeur à l'université si mon petit sous chèque moi ils ont bail dérisoire on professeur à l'université touche 13 000 goud belle bagaille hein? On gros pays on touche 13 000 goud en tant que et Mabdou c'est vrai que nous capables rire de ça mais moi-même on parti d'un principe d'accord toucher 13 000 goud en tant que professeur faut me faire coum même si c'est un goud yo te paye depuis me d'accord pour me toucher un goût pour me faire travailler là, faut travailler la fête. C'est ça qu'il faut, ouais, je vous dis, même quand je suis parlementaire, étudiant, il n'y a pas qu'à déparier de moi, il y aurait même professeur, parce que le professeur a toujours une faire cool, professeur a toujours répondre de responsabilité. Même pour ce que je vous dis, l'important pour nous avancer vers le procès Petro-Caribéa, l'important tout pour nous rapatrier fonds, côté à travers la planète, rapatrier fonds pour capable permettre de faire prendre des engagements sociaux envers le peuple. Ça veut dire qu'il y a deux mesures conservatoires qui ont été prises en attendant et pour ces affaires, puisque nous avons de bien. Est-ce que nous n'avons pas courir saisir, courir arrêter parce que nous avons nécessité? Bon, moi, c'est que dans la première mesure conservatoire capable de prendre, c'est empêcher le déplacement de la personne. Parce que c'est toujours bon de faire procès à que la personne sur place. Des interdictions de départ. Des interdictions de départ, vous êtes capable de mettre. Des assignations à résidence, vous êtes capable de mettre. Des gens ne sont pas capables de déplacer. Ils ne sont pas capables de quitter Port-au-Prince. Même si le monde Jérémy, ils ne sont pas capables de déplacer Jérémy. Ils ont bandé, ils ont besoin pour là, dans Port-au-Prince, pour là, Port-au-Prince. Les gens grand goave, les gens petit goave, les gens n'importe côté, ils veulent que c'est là pour aller dans Port-au-Prince. Ils ne sont pas capables de déplacer plus loin. Donc, ou avancer que l'interdiction de départ n'est pas légale. Oui, à mettre reprise de tout avocat, il a cassé ça, ça illégal, ça valide. Je ne pas fin de dire ça net parce que il y a des précédents, il y a, ça nous relève la pratique judiciaire. C'est vrai que pas qu'on loi qui prévoit que qui j'en pour mettre interdiction de départ là, mais dans la pratique pénale, toujours, il y a des interdictions de départ qui mettent. Coutume, les vignes force de loi dans le silence de la loi. Dans le silence de la loi, la coutume à force de loi. Donc, nous gagnons. Mais nous ne sommes pas prêts à souli. Moi, je viens de comprendre pour qui ça, que en tant que député au sein du Parlement, moi, je viens de comprendre pour qui ça, que moi, je suis chita avec le cabinet, moi. Parce que chaque député a un cabinet qui est attenant à travailler pour le faire. Nous avons chita avec mon cabinet, moi, fait une proposition de loi sur l'interdiction de départ. Je ne connais pas quelle magie, la loi ça n'a pas jamais arrivé sous le bureau parlement pour nous arriver à débattre dans la chambre de député. Donc peut-être qu'on a raison pour ça. Peut-être qu'on a raison pour ça. Et je pense que ce n'est pas rester caché, pas légiférer. Sous question,
Par exemple, nous rentrons, nous arrivons depuis 2016, nous sommes en 2018, son loi qui était supposée voter déjà. À chaque commencement de session, malgré toute insistance que je fais pour être capable de mettre la loi ça dans le menu du Parlement, bon phosphène noir qui campait la loi interdiction de départ là, qui pavle le vini. Et au capable que en janvier prochain, si pas de changement au niveau de bureau, capable même loi ça, la prêter dans le tiroir parlement, les papes bien privés, parce que bon phosphène noir pas voulu que bon loi, ou pas légiférer sur question interdiction. Protestant a dit qui devant, n'a comprendre pour qui. N'a comprendre pour qui. N'a pas le commissaire gouvernement qui dit oui, ou dit mais pas légal, la loi pas autorisé me faire, mais pour montrer tout. La loi pas autorisé me faire, mais pour montrer tout côté la loi interdit me faire là. C'est ça. Bon, n'a pas les deux procès. Tout ça qui pas interdit, c'est que l'autorisé. N'a pas les deux procès. Mais on petit blague avant d'entrer dans le bagage, mais David. Mon ça ça vraiment de l'état font pas quatre investissement parce que mon bail l'argent ça va dans cap cadre descendre dans pénitentiaire non mon ça mon qui dormi côté gain climatiseur il va dormir côté gain maringouin il va dormir côté gain centre bail senti mais c'est ça que c'est ça que cap bail c'est ça que fait nous parler de précédent pas oublier que les ont été arrêté je pense que c'était premier ministre Neptune donc il était obligé de créer en prison Paco pour mettre dans l'ancien bureau secrétaire d'État sécurité publique là. Donc si pas une place dans comme pénitentiaire à plein, il y a obligé peut-être faire en sorte de résidence surveillée, en petite prison qui ont l'autre nom. Il y a obligé de faire libre capable mettre monde qui est habitué vivre dans climatiseur. Non, pas fini. T'as là où t'es dit ça constitution une grosse conséquence sur le développement social et économique pays a qui fait même au moins d'investissement sur le plan social, pas même qu'à fait, ou t'as parlé de nous, parce que nous avons fini, même quoi vous avez été investi dans la construction de routes, surtout dans la zone sociale. Effectivement. Parce que vous avez regardé les routes qui sont dans la route nationale numéro 3, arriver jusqu'à la frontière, traversant Tomazo, aller Cognon, Gambo, arriver jusqu'à la frontière, jusqu'à présent, vous avez environ 34 ou 44 km de route qui pourquoi j'aime qu'à faire. Donc, je pense que si font ça à rentrer, non seulement il y a un café ou de ça, il y a plusieurs autres routes encore, il y a capable de faire. Gardez pour tout, et je vous dis aujourd'hui, gardez le classement Haïti dans le dernier rapport sur. Forum économique mondial. Forum économique mondial. 138e sur 140. 138e sur 140. Question compétitivité mondiale, ça veut dire que pas favorable à l'investissement. Ça veut dire que vous venez indexer. C'est comme si vous avez. C'est pas comme si Haïti est un État en faillite. Son état en faillite, puisque ou gen instabilité politique, économie pas marché avec instabilité politique. Investissement économique, investisseurs étrangers, pas vite mettre l'argent dans le pays où, si on connaît que chaque jour il y a une manifestation, chaque jour il y a boule caoutchouc, chaque jour il y a crasé business moon, pas de monde qui a vu investir dans le pays. C'est ça que faut, nous gen place ça. Corruption, c'est ça que fait nous gen place ça, nous 138e. Et nous dans 138e place dans le rapport Forum économique mondial là. Donc, instabilité politique, corruption, sous-développement, ben ça n'a pas marché avec développement. Investisseur n'a pas venu dans le pays, sous toujours été chargé avec problème ça. Si nous-mêmes, Haïtiens, nous pas essayé de corriger kaye nous, pour nous dire que bon, nous pas fouiller mais nous mal dans cet état encore, nous pas voler l'État, nous pas faire corruption encore, nous pas. Si tu as fait manifestation, craser tout ça qui est dans le pays encore, là, on va regarder qu'une fois que nous prenons conscience de la situation pays, nous sommes capables de porter le changement nécessaire dans le pays. Nous avons fini vraiment, Kounia, et député, et pour Tomazo, comment ça est, comment ça nous dit? Bon, je vous dis, je pense que. Exactement, examen. N'a pas avancé dans Tomazo. Combat nous, Kounia, là, c'est où est-ce arrivé et fait quelques kilomètres, non, 12 kilomètres de route qui gagne dans Tomazo. C'est vrai que la population, Tijan, pas fini content, mais bon, l'autre bagage qui a développé dans Tomazo, Tomazo presque vini, tant que Grand Ravine, tant que Cité l'Éternel, parce que, il y a une source. Et m'ta souhaité que autorité qui est responsable sécurité publique penche sous ça pour yo ouais qui gens y a mené des actions en dans Tomazo pour éviter que Tomazo vienne en zone de non-droit pour éviter que grand banditisme yo et grand bandio vini établi yo tout Tomazo. C'est vrai que bon part de responsabilité de certaines personnes bien indiquées qui permettent qu'il y a fourni ça mandat Tomazo. Par contre, pour qui ça? Peut-être c'est vers les élections, pour qu'il y ait une élection. Mais moi, je crois que fort autorité de police
prend responsabilité pour ouais c'est à empêcher gain d'autres zones de non-droit qui créé en dans pays de par la volonté de certaines personnes qui ont intérêt dans ça. Nous kounia n'a regardé nous en vacances kounia là. Bien qu'il ait été convoqué nous à l'extraordinaire, mais une convocation fin épuisée. Ça n'a fait là qu'on est. N'a fait petit flâner, n'a allé en plage. Non, pas vraiment. Manger petit poisson boucané. Pas vraiment, pas vraiment. N'a viré dans la ville là. Diplomatie parlementaire à Lille là. Moi-même, j'ai fait ce fonds de déplacement à Bruxelles pour première session que nous gagnons pour Anéa, avec une commission de parlementaires et sénateurs et députés. Moi, j'étais déplacé avec député Mathurin. Moi, j'étais déplacé à sénateur Dieu-Pichet Rubin, sénateur Bélizer, sénateur Patrice Dumont. Donc, n'a pas avancé dans quatre diplomaties. Et hier encore, commission finance et parlement ont rencontré non seulement ministre finance là, DGI et tout organisme qui attaché à question finance dans le pays. Nous avons fait une belle réunion ensemble avec vous. Vacances parlementaires, là, ça veut dire que globalement, les députés sont en vacances, mais les commissions travaillent. Toute commission yo capable reler n'importe ministre à n'importe quel moment pour venir et dans salle de commission parlement pour nous capable travailler en attendant que deuxième lundi janvier nous recommencer avec les sessions du parlement. Député Price-Cyprien, merci parce que tu es mettre disponible pour nous aujourd'hui. Merci en pile. C'est ton plaisir et me penser que jusqu'à présent nous bien fait travailler nous et que monde Thomas au content de gens nous représenter autant sur le plan national que sur le plan international. Merci. Amis téléspectateurs, nous auditeurs Radio Téléguinée, merci pour fidélité à émission Info Parlement, à Téléguinée en général. N'a rappelé invité nous aujourd'hui dans émission Info Parlement, c'est député circonscription Thomas Zoa, M. Price Cyprien, c'est professeur à l'Université de l'État, nous connaissons déjà, c'est membre ACPUE, membre Parlement mondial pour la tolérance et la paix, Action mondiale des parlementaires. Nous sommes contents de présenter l'émission Info Parlement. Nous avons rendez-vous semaine prochaine pour une autre émission Info Parlement. Au revoir tout le monde.